Le dimanche 23 février, suite à de nouveaux cas de contamination au coronavirus en Italie, Olivier Véran, ministre de la Santé, a déclaré que la France allait se préparer à une épidémie de coronavirus. Comment les Français que nous avons rencontrés ont-ils réagi à cette déclaration ? Je pense qu'il a certainement raison, puisque les bâtiments hospitaliers sont certainement aptes à recevoir... sont aptes à recevoir aujourd'hui les malades, donc s'ils ajoutent encore plus de moyens, ce sera tout aussi possible. Parce que je crois qu'il avait dit qu'il y avait 70 hôpitaux capables de recevoir les malades du coronavirus, donc 90, ça fait que 22 plus, ça me semble tout à fait faisable. Comment allez-vous vous protéger ? Alors si on nous invite en France, il faut se protéger, parce qu'aujourd'hui c'est pas vraiment le cas, vu qu'il n'y a qu'un seul cas je crois aujourd'hui dans un hôpital en France. Mais si ça devient nécessaire, vu que c'est une maladie pulmonaire, en mettant un masque ou en évitant le contact avec les autres personnes pour éviter que ça se propague trop rapidement. Bah écoutez, moi ça ne me fait pas peur. De toute façon, je pense que ce virus existe depuis longtemps. Donc, je ne me protégerai pas plus que d'habitude. Ça ne me fait pas peur et je vais continuer mes habitudes. Voilà. Et je ne me protégerai pas, non. Donc, ça ne me fait pas du tout peur. Cette déclaration, c'est bien. Pourquoi ? Parce que pour tout le monde, cette déclaration, pour la protège, pour la santé, c'est bien. Bactéries, par exemple, c'est pas sorti juste à la Chine, là, partout bien. Est-ce que vous allez vous protéger ? Protéger ? Oui, mais pas dangereux encore ici. Je ne sais pas. Mais protège pas. C'est Dieu qui décide. Je suis pas du tout tombée dans cette psychose. J'ai l'impression qu'on en fait beaucoup. J'ai l'impression que la grippe qu'on connaît en France fait certainement tout autant de décès, tout autant de morts et probablement plus. Donc non, moi je n'ai pas du tout l'intention de me protéger particulièrement. Reportage par Mantarin TV. L'entreprise ADI Direct International met à votre disposition une nouvelle plateforme intégrée de transport et de services logistiques entre la Chine et l'Europe. Avec son entrepôt de 2000 m² à zone cargo à l'aéroport Charles de Gaulle et divers canaux logistiques composant tout un réseau planétaire, vos colis seront envoyés où que vous souhaitez et surveillés par notre système de repérage numérique pendant tout le trajet. Assurance transfrontalière, remboursement des taxes en ligne et expédition des articles dès une pièce sur notre site commercial. Tout cela en toute facilité et rapidité. ADI Direct International, professionnel de la logistique internationale. Confort Cuisine France, prestataire de solutions de placards intégrés. Conception exclusive et sur mesure, fabrication de haute qualité avec des matériaux non polluants et résistants. Avec Confort Cuisine, placard haut de gamme pour une vie meilleure. Placard haut de gamme pour plus de confort. Placard haut de gamme pour vous faciliter la vie au quotidien.